Salut station, l'émotion 13 à vous de la part de Dandy 33. Attention Coco, est-ce que tu es en fréquence pour Dandy qui t'appelle? Ah, S73 la station, j'ai du mal à te sortir là de mon côté, là, secteur Castillon-la-Bataille. Là ça passe petit là de mon côté. Hein. Salut Coco, non je suis pas avec le même matériel que d'habitude. Là pendant les vacances on m'a donné une tonne de matériel, donné oui carrément. Et là je suis actuellement avec un Summer Camp TS 2000DX et j'ai un truc derrière qui est aussi en marche. J'ai, j'ai la cuisinière qui est en route aussi derrière en même temps. Alors ça doit peut-être, c'est peut-être un petit peu fort quoi. Ouais, affirmatif. Pourquoi ça est-ce que ça passe bien quand même? Je sais, il faut que je change le micro. Je suis avec le micro d'origine. Il est pas très puissant. Le poste, je lui ai ouvert le ventre. J'ai re-réglé la modulation. Je suis au maximum. J'ai pas d'autre choix. Il faut que j'en passe par un micro préampli. Mais avant ça, il va falloir que je me trouve, que je m'achète là des fiches 6 broches, car j'aimerais pas trop déshabiller quand même le micro d'origine pour en habiller un autre. Et côté micro préampli, on m'en a donné plein aussi, là je dois en avoir, je sais plus, 6 ou 7 peut-être, un truc comme ça. J'ai du choix quoi. Ouais, autrement oui, je suis au QRA. Hein. Ok d'accord, c'est pas trop écrasé quand même, parce que bon j'imagine que s'il y a des stations locales, alors là c'est même pas la peine, ça doit leur exploser les tympans. Hein. J'ose pas te dire combien j'en vois là, c'est... Non, vaut mieux pas. D'accord, ok. Alors attends, parce que toi là, en même temps, je suis en train de faire une petite vidéo. Ouais, ok. Ouais, ok, d'accord, voilà. J'ai un routier là sur internet qui autrefois modulait avec pas mal de stations là sur ton secteur, enfin tous ces environs là jusqu'à Bordeaux. As-tu connu un certain Yvon? Alors je sais pas s'il module toujours. Yvon, ça te dit quelque chose? Attends, voilà, j'ai baissé d'un cran. Voilà, là je suis ouais, ok, ça y est, c'est bon. Putain, je bafouille en plus. Oui, Yvon, est-ce que tu connais ou tu as connu quelqu'un qui s'appelait Yvon, là, qui modulait avant, je sais pas s'il module toujours, sur ton secteur ou un peu plus bas, enfin bon, dans les environs? Ok, bon, parce que bon, c'est vrai que cet OM, ce routier, là, on recherche un petit peu là des anciennes stations. Alors, étant sur le sud-ouest, justement, il me posait la question, bon, mais c'est dommage que ce soit la seule réponse que j'ai à lui donner. Ok, pas de problème. Est-ce que tu as des nouvelles de JFK là? Parce que je l'entends pas trop en ce moment. JFK, mais non, j'ai pas trop de nouvelles de lui, quoi.
Ouais, c'est. Il faudrait peut-être leur dire que. On les attend là en fréquence, Hachi. On aimerait bien les entendre un peu plus, quoi. Putain, 7 sur module qu'il y a. On va faut dire que là, on est pas encore, enfin, on est encore en été. Les gens préfèrent être dehors, faire ce qu'ils ont à faire plutôt que d'être là-dessus. Hein. Mais bon, avec l'arrivée de l'hiver, ils vont chercher à retrouver un petit peu de chaleur et puis se remettre devant la module. Hein. Ouais, ça va faire comme d'habitude. Hein. Ok, t'as réussi à passer quand même malgré la surmodulation. Ok, les bonnes journées à toi, Coco. Merci de ce petit contact. Oui, c'est vrai, dernièrement, j'étais pas trop non plus en fréquence. Je prenais aussi la moto. Hachi, et sur la moto, non, niette. Hein, c'est trop dangereux, là, à mon goût, là, pour mettre la CB dessus. Allez, Coco, les bonnes journées, la bonne journée à toi. Et ainsi qu'à tout en QRA, et à la prochaine. Ciao Coco. Les 73 la belote, j'ai réussi à t'entendre quand même, j'ai le préampli de réception qui est allumé, là c'est bon, c'est passé. Comment vas-tu la belote? Tu es où, hein? Ah la vache, là je t'ai entendu le premier coup, mais là ce coup-ci, là c'est vraiment de la devinette. Hein. Là, je sais que c'est toi qui as parlé derrière, parce que bon, t'as parlé juste avant, j'ai reconnu quand même ta modulation, mais là, c'est vraiment très, très, très petit, là. Ah, la belote, j'entends les stations de Marmande en même temps derrière. Je vais pas trop les gêner, car là, j'ai un petit peu ce qu'il faut derrière, là, pour passer. Mais 73 à toi, la belote, la bonne route, à la prochaine. Ok, la belote, ciao. Et 73, la station, c'est Christian? Ah, Daniel, ok, les 73, Daniel, comment vas-tu? Ok, ben voilà, j'ai baissé un petit peu là, j'ai baissé d'un cran là l'Alpha Lima. Ben je suis au QRA hein, du côté là Saint-Émilion, Castillon-la-Bataille. Là il y a pas de problème. Putain, mais j'ai l'impression que ce matin d'être au milieu de tout le monde car ça surmodule de tous les côtés. Hein. Il y a le côté Charente, il y a le côté Nord département 24, il y a le côté Sud département 33, il y a les stations de Bordeaux un peu au-dessus. Là ça ça surmodule de tous les côtés là ce matin. Attends, j'hallucine. Tu es du Sud-Gironde, sur les environs Sud-Gironde, et tu m'envoies que 2 watts. Putain, mais ah oui, il fait bien son boulot, il n'y a pas de problème. Hein. Non, là, j'en ai quand même un petit peu plus là. Ouais, effectivement, j'en ai un peu plus là. Et ouais, si, je t'entends bien. Hein.
Aïe, 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 700 modulations. Ok, là, c'était la cacophonie complète, là, Christian, Daniel. Mais, ouais, je suis surpris quand même qu'avec 2 watts, ça passe quand même. Ok, affirmatif, tu vois là j'ai coupé le préampli de réception, ben, je t'entends aussi bien. Là j'ai quasiment pas senti de différence. Sans préampli de réception, je t'entends aussi bien quand même. Hein. Putain oui, il travaille bien ton poste. Hein. Ah oui, parce que là avec 2 watts, là je suis un peu surpris quand même. Ok, je vais te laisser les bandes 73 à toi, ainsi qu'aux autres stations derrière, et bonne journée. Oh oui, non, mais je te crois, je te connais, il n'y a pas de souci, hein, je te crois. Hein. Là, tu me dis que là, tu m'envoies que 2 watts, il n'y a pas de souci, hein, je te crois. Hein. Après, c'est le reste derrière qui fait tout le boulot. Hein. Si côté coax, déjà, c'est un truc qui est vraiment au top, eh bien oui, c'est normal. L'antenne, puis il y a l'antenne, il y a aussi le QTH, il y a plein de paramètres qui rentrent en ligne de compte. Hein. Et c'est vrai que si tous ces paramètres sont réunis, il n'y a pas besoin de beaucoup de watts pour passer, quoi. Hélas, moi, je suis un peu dans un trou. Là, c'est un petit peu dommage. Pas loin de chez moi, j'ai une colline, la colline de Saint-Maine-de-Castillon. Je sais que là, quand je vais dessus, alors là, ça passe comme un boulet de canon. Mais bon, c'est toute la maison qu'il faudrait que je déplace le dessus, Hachi. Ok, ben moi là c'est pareil, là je passais un peu en QRT, hein. Là je ne vais pas monopoliser pas mal, enfin davantage le 19, surtout que j'ai entendu pas mal de stations derrière, avant toi j'étais en QSE avec Coco, il y a les stations là des Charentes, là, tout ce côté-là, là, qui sont aussi en fréquence, là il y a un peu de monde derrière et c'est vrai que là je bloque un petit peu la fréquence. C'est pas bien ça, là, il y a des coups de bâton qui se perdent, Hachi. Ok, les bottes 73 à toi ainsi qu'à toutes les autres stations qu'il y a sur ton secteur et bonne journée et merci pour ce petit contact. Merci, bon week-end également. Eh bien, tiens, juste avant de couper, la météo de sur mon secteur,
C'est orageux, c'est gris, c'est moche. Hier, on m'a pas trop entendu, parce que bon, du coup, il a fallu que je débranche rapidement la station. J'étais en plein sous les éclairs, sur tout ça. Actuellement, c'est en train de stagner là sur mon secteur là. C'est pour ça que je vais pas trop me faire plus long aussi. Là, j'ai commencé à me méfier un petit peu parce que j'entends gronder là un petit peu à droite, à gauche. Je me méfie. Allez, la bonne journée à toi, et encore merci pour ce petit contact. À la prochaine. Ok, merci à toi, bonne journée, bon week-end, à la prochaine. Qui a dit qu'il n'y avait plus personne sur le 19? Hachi, bonne journée à vous. Bon, j'ai dû mettre le ventilateur. Je suis pas encore habitué à ce nouveau matériel. Du coup, le ventilateur, je l'ai mis trop tard. Et là, on peut faire cuire des œufs. Pour voir le bon côté des choses. Ce qui serait pas mal, c'est que la mise en route du ventilateur soit automatique. Ouais, je l'ai. Et lui. Ah, il est tiède. Et si, il y a du monde. Il y a toujours du monde, la station. Thank you.
Thank you.